tout le monde. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Garry's Mod, sur ce jeu qui offre des centaines, voire même des milliards de possibilités différentes. Et donc c'est sur cet épisode que je vais commencer cette, j'espère, longue série sur ce jeu en solo. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, Dr. Kleiner. Bonjour, Dr. Kleiner. Veuillez vous asseoir sur ce canapé. Putain, j'ai dit va t'asseoir. Ok, alors on va l'ambiancer un peu parce qu'apparemment il ne comprend pas trop ce qu'on lui dit. Mr. Kleiner, je vous prie de bien vouloir vous installer juste ici. Très bien, cet homme ne comprend pas. Vous ne voulez pas coopérer, Mr. Kleiner. Adieu, Mr. Kleiner. Vous restez debout, c'est pas parce qu'on est mort qu'on va se fatiguer là. Non mais oh, franchement. Debout, allez, et on tient sur les pattes, s'il vous plaît. On tient sur les pattes, j'ai dit. Donc maintenant, on va installer l'objet le plus important du jeu. Le canapé. Alors, pourquoi il est important? Je n'en sais strictement rien. On a réussi à stabiliser le canapé. Attention, on va tenter une approche. RAS, le canapé n'est pas dangereux. C'est absolument dégueulasse. Donc, on va le peindre avec autre chose. Voilà. Voilà, donc on met une grosse trace de diarrhée sur le canapé. Comme quoi le dernier visiteur était plutôt malade. Non, 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 ah, c'est une chute libre. Allez. Je ne comprends absolument rien à ce jeu. Très bien, et ben on va dire que ce matelas est posé. Donc qu'est-ce qu'on va faire à présent? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ce lit? On pourrait ajouter par exemple. Voilà, je pense que ça ira parfaitement avec ce lit. Un train, bah oui, bien sûr, un train. Et pourquoi pas ça aussi? Bah oui, bien sûr, un alien volant. Très bien, et puis pourquoi pas un hélicoptère? Et puis pourquoi pas une locomotive, un piano, un pont, un char et un wagon? Pourquoi pas? Très bien. Et donc, sur le capot de notre Jeep, nous allons essayer de voler et de parsemer la ville telle des sushis volants. Allons-nous y arriver? Oh mon dieu! Oh purée, non, reste là, reste là, reste là. Alors, mesdames et messieurs, nous allons assister à un sauvetage de Jeep. Si j'y arrive, bien sûr. Il me faut pour cela un escalier, première. Ok, d'abord, il me faut un ascenseur. Très bien, des Jeeps volantes. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça les amuse, si c'est leur seul moyen de s'exprimer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi tous les véhicules se mettent à s'agiter en tous les sens. Bonjour monsieur, vous êtes mort, je voudrais un personnage vivant. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, G-Man. Bonjour monsieur, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec G-Man? Donc je vais vous montrer comment modifier un personnage. Voilà. C'est plutôt terrifiant. Alors à présent, je propose d'invoquer tous les monstres qu'on a dans ce jeu. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, j'invoque et je me casse, hein, parce que je vais sûrement crever de manière plutôt atroce. Très bien, alors. Moi, j'ai une méthode radicale pour tuer ce genre de monstre. Parce que j'aime pas trop ce... Owned. Et donc, pour clôturer cette vidéo, nous allons donc nous suicider au milieu de ce cercle de bombes. Je pense que c'est une belle fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker cette vidéo et d'aller regarder toutes les autres. Bye tout le monde!